Il y a une petite présentation d'une Woseley. C'est une Woseley Hornet MK3 de 1968. Très peu d'exemplaires ont été faits, à peu près 8500 exemplaires. C'est un petit moteur, un moteur de 998 cm3, 38 chevaux, donc vraiment petite voiture, 4 vitesses manuelles, conduite à droite. C'est une traction avant, qui est équipée de tambours à l'avant comme à l'arrière. C'est une voiture qui a une vitesse maximum d'une 120 km/h à peu près. Voilà, mignonne petite voiture qui se conduit d'une façon agréable, malgré que la conduite soit à droite. Voilà, on fait le tour. Vous voyez, elle a vraiment un petit look sympathique. Bon, alors déjà, première erreur, il ne faut pas aller chercher la porte à gauche, évidemment, il faut aller chercher la porte à droite. Ça, c'est un réflexe qu'il faut perdre. Vous voyez, beau petit modèle, un petit intérieur cuir, un petit tableau de bord en boisé, enfin bon, très sympa. Voilà, on va démarrer, vous allez voir. Petite voiture, vraiment. On s'y repère, on est bien à droite. Et vous voyez, ça démarre vraiment au quart de tour. Alors très drôle, on a le clignotant de E.T., vous voyez. Hop, quand on clignote. Le petit bras s'allume, voilà, c'est mignon, fallait y penser. Bon bah c'est parti, on enfile la marche arrière sans trop de problèmes. Voilà. De la main gauche, la marche avant qui va tout seul aussi. Et voilà, et ça monte, on a un petit karting. Hein. Un petit karting. Et voilà, c'est parti. Voilà, faut faire attention là. La troisième est un petit peu sur la droite, donc là. Donc faut s'arrêter au milieu de. Pour la passer, ça passe nettement mieux. Là, je suis en quatrième, tranquillement. Soleil. Bon, l'avantage d'une conduite à droite, c'est qu'on tient facilement la droite, hein, parce que là on a le côté en ligne de mire. Vous voyez là, on roule tranquillement en quatrième. Les freins freinent, mais c'est des tambours, hein, on va mettre le clignotant pour tourner. On va repasser en troisième, ça passe sans problème. La deuxième, je m'arrête entre deux et je passe à deuxième. Voilà, il faut s'arrêter entre deux pour l'enfiler. Et voilà. Vous voyez, ça démarre comme un petit karting. Je m'arrête au milieu et hop, la troisième place bien mieux que si je cherche à aller directement d'arrière en avant. Allez, c'est parti, le petit clignotant qui s'allume comme le doigt de E.T. Et voilà. On a un gros volant presque aussi gros que la voiture. Voilà, je m'arrête au milieu, je passe à troisième et ça passe sans problème.
c'est un petit jouet, c'est un petit karting. C'est vraiment une voiture très, très sympathique à conduire. La deuxième facile. Voilà, la première elle est tout droit. Voilà. La troisième, on s'arrête au milieu et on va la chercher et ça passe tout seul. Voilà un petit moteur qui tourne bien rond. Donc on se met. Un carburateur, un petit radiateur latéral, et puis 4 bougies plus un, enfin, tout ce qu'il faut pour que ça tourne tranquillement. Voilà, le coffre est étonnamment grand. En dessous vous avez sous la planche vous avez trousse à outils et puis roue de secours.